Vous allez bien? Aujourd'hui, on va ouvrir le deck de combat d'Arumacho de Galar. Vous connaissez d'Arumacho de Galar? À ne pas confondre avec d'Arumacho. D'Arumacho de Galar est l'évolution de Darumaron de Galar. Et d'Arumacho de Galar a un mode trans que je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous le savez, mais Darumacho de Galar en forme trans est le seul Pokémon double type glace et feu. Bon allez les petits lutins, on passe sur le plateau pour ouvrir ce super deck. Bon allez les lutins, on va ouvrir ce deck de combat avec Darumacho de Galar. Vous avez vu, ça c'est le Darumacho de Galar mode trans. Il est beau, hein? Vous voyez, on dirait que c'est dense, c'est comme du métal, c'est des crocs vraiment insérés. Hein. Épée et bouclier, ténèbres embrasées, une flamme qui transperce l'obscurité. La nuit s'embrase et s'illumine de flammes ardentes, tandis que d'autres Pokémon de la région de Galar font leur début. Attisez le feu et vivez une folle aventure avec l'extension épée et bouclier ténèbres embrasées du JCC Pokémon. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Le deck d'Arumacho de Galar, deck à thème. Thème embrasé, cette fois il n'y a pas de nom. Oula. Là c'est d'Arumacho de Galar. D'Arumacho de Galar avec son adversaire des froids. Froid comme le vent du nord, les vents du nord, ou consumé d'une détermination brûlante, Darumacho de Galar fait toujours montre la constance et de professoral vous garantissent une main variée et bec qui pense surveille tout depuis les hauteurs célestes. Fissule, Kangourex et Polagriffe apportent leur pouvoir d'attaquant afin de maintenir tout le sang-froid au deck. La thème d'Arumacho de Galar qui donne un gros coup de poing. Faut pas être content. J'espère qu'il va nous donner des bonnes cartes, ce deck. Alors ça c'est Darumacho de Galar qui attaque avec coup de boule écrasant de 170 et de blizzard de 80. 140 PV. Il est holographique, ça veut dire qu'il brille à l'intérieur du dessin et pas autour. Et sinon, s'il ne brillerait pas, ce serait une carte normale. Vu, c'est l'évolution de Darumaron Galar. Bon, ça c'est les trucs pour attaquer. Ils expliquent comment ça marche, le poison. Là, il y a le jeton. Bon jeton de Darumacho de Galar. Il est vraiment rigolo là, hein.
Là, il montre quelques cartes, dont Darumacho forme 35. Béquipan, Fortifion Turbo, Travis et Kangourex. Le petit Darumacho. Et là, il monte toutes les cartes. Alors, il y en a vraiment un paquet, puisque c'est très difficile de tout montrer. Là, il monte un petit livret avec quelques cartes. Enfin, c'est pas les quelques cartes, là, c'est comment on joue. Et le tapis de jeu. Je me suis dit, il est pas très grand, hein. Mais non. Bah. C'est un tapis de jeu individuel. Là, il y a la forme spéciale, donc la forme trans. Et là, la forme normale, lui donne un gros point de givre. Hein. Tout givré. Énergie haut. Darumacho de Galar, ça c'est la forme trans. Et la chaleur gelée qui attaque de 110 plus 60. Ce qui fait 170. Polarune. Nabil. Darumaron de Galar, celui qui évolue en Darumacho de Galar. Béquipan, Goélise, Poulain Griffe, qui attaque de 150 avec tranche gelée. Belle carte, hein, avec les sortes de stalactites sous. C'est le signe de la série Ténèbres embrasées. Kangourex, Travis, oh, grand saut. Cette flèche des rebelles, ça c'est le signe. C'est une peu commune qu'on marque avec un losange noir en bas de la carte. Super Ball, d'épée et bouclier. Ornithologue. Froussardine. Il a pas peur, hein, pourtant. Sonia. Recherche professorale. Suissune, quand même! Sympa, hein, c'est un légendaire en plus. Échange. Les cartes, je vous les dis pas le nom, c'est parce qu'on les a déjà eues. Fortifiant Turbo. Deuxième Darumacho de Galar, c'est cool. C'est une rare qu'on remarque avec une étoile noire en bas de la carte. Très beau Darumacho. Bon allez, les lutins, on se revoit la prochaine.